Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser des prénoms sur les bracelets. Donc tout d'abord nous allons commencer par les modèles de lettres, c'est très très important. Donc je vous conseille de prendre du papier format A4, à carreaux, peu importe la taille des carreaux, et de reproduire toutes ces petites lettres qui vous seront très utiles pour la suite. Donc là on a le A, le B, le C, le D. Donc bien évidemment vous mettez pause et vous recopiez les lettres. Donc une croix pour une case. Et une croix représentera un point pour la suite. Donc H, I, J, K, L, le M, le N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Maintenant nous passons aux chiffres. Donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 0. Maintenant, on va voir comment je réalise le prénom Enzo. Donc tout ça paraît un petit peu futile, mais c'est vraiment très important. Si vous voulez pouvoir réaliser le prénom de votre choix, il faut absolument passer par cette étape. Donc moi j'ai réécrit les lettres Enzo, et là je vais vous montrer le petit schéma que vous devrez réaliser. Donc je zoome dessus. Donc sur votre feuille A4, vous allez prendre un carreau pour une lettre, enfin vous allez faire un petit quadrillage avec 5 lignes, donc 5 numéros de 1 à 5, qui correspondra aux 5 pitons. Et au-dessus, il en faut 22. Donc 22, c'est la longueur que fera votre bracelet. Donc un rang sur la barre du 22, ça correspondra à une hauteur à chaque fois. Mais ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure que je vous le montre. Donc là, je vais écrire le prénom Enzo. Il faut que mon prénom, donc peu importe ce que vous allez écrire, rentre dans ces 22 lignes. À savoir qu'on a un espace entre chaque lettre. Donc moi, je compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En tout. Donc de mon départ de lettre jusqu'à ma fin de lettre, j'ai 18 carrés, ni plus ni moins. Donc là, j'en ai 22. Donc pour que ce soit plus ou moins à moitié-moitié, je vais commencer à partir du 3. Donc à partir du 3, je vais faire mon E. Donc je reproduis mon E, donc 5 comme ça, 3 comme ça, 1 ici, hop. Donc là vous vous référencez exactement aux lettres que je vous ai données, c'est exactement la même chose. Donc après on laisse une barre entière pour l'espace, parce que si on ne fait pas d'espace entre les lettres, on ne va pas les distinguer. Je fais mon N, donc il faut savoir que le prénom Enzo comporte que 4 lettres, mais que le N et le Z sont des lettres assez larges, donc au final il n'est pas si court que ça. Donc vous ne pourrez pas écrire par exemple Tiffany, hein, c'est pas la peine d'essayer. Donc vous pourrez écrire des petits prénoms ou des abréviations, ou le prénom Rock, Love, des choses comme ça. Mais après si vous faites des grands prénoms vous pourrez les écrire, mais ça ne vous fera pas un bracelet, ça vous fera plutôt un collier. Donc là un espace et je fais donc mon O. Donc là je le fais en noir parce que ça correspondra à ma couleur d'élastique. Voilà, donc Enzo je vais les faire en noir, donc je fais des croix noires pour le prénom Enzo, ce qui correspondra aux élastiques noirs que je vais utiliser. Et là je vais faire des petits ronds bleus, donc dans tous les espaces restants, donc là je vais me passer en accéléré, qui correspondra aux élastiques bleus que je vais utiliser pour la base de mon bracelet. Donc vous pouvez prendre les mêmes couleurs que moi, ou bien utiliser vraiment les couleurs que vous allez utiliser, c'est beaucoup plus simple. Par exemple vous prenez des feutres et si vous le faites rose avec les lettres noires, et ben vous faites votre lettre avec des croix noires et les petits ronds en rose pour le bracelet en général. Vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. Donc maintenant que c'est fait, nous allons le lire comme ceci. Donc la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, donc on le met face à nous et on le suit comme ceci. Et maintenant, nous passons à la réalisation. Donc c'est parti, nous prenons notre planche et il nous faudra donc, comme je vous l'ai dit, deux couleurs d'élastique. Donc moi j'utilise le bleu et le noir pour les lettres. Donc tout d'abord je vais enlever ma barre du milieu parce que je n'en ai pas besoin et de toute façon on ne pourra la réaliser qu'avec ce type de planche puisque le bracelet va passer au milieu. Il nous faut quand même de la largeur. Ensuite je vais enlever celui-ci qui m'embête un peu, donc là vous mettez comme vous voulez, mais c'est juste que moi je veux un espace vraiment exclusif à mon bracelet et donc je veux que mes 5 pitons soient vraiment aérés. Donc nous allons commencer par la base. Donc là nous allons faire notre première ligne qui pour moi est tout en bleu. Donc pour le départ je vais prendre un bleu que je vais aligné sur toute la longueur de mes 5 pitons d'en haut. Il faut vraiment que les pitons soient face à face. Donc le piton de la droite sera le piton 5 et celui-là le 1. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Exactement comme mon dessin. Donc je pars du 5 et je vais faire un 8 vers donc le haut vers le bas. Ensuite, je fais les 4. Un 8 sur les 3, donc tout bleu, hein, puisque c'est ma couleur de base. Un 8 sur le 4, sur le 2, excusez-moi, et un 8 sur le 1. Une fois que c'est fait, je prends ma barre du haut que je vais ramener sur le centre. J'enfonce tout ça pour pas que ça me gêne après, et je renouvelle cette opération. Donc je mets une barre centrale tout en haut sur mes 5 pitons et ensuite je fais un 8 sur les 5, donc de haut en bas ou de bas en haut, hein, c'est pareil, sur les 4, sur les 3, sur les 2 sur les 1. Je prends ma barre d'en haut et je la ramène sur mon centre. Maintenant nous allons pouvoir tisser. Donc là je me retrouve avec deux lignées en fait, hein, deux lignées d'élastique. Et donc je vais tisser. Donc pour tisser c'est vraiment très très simple. Vous prenez celui du bas, vous le ramenez sur le haut. Celui du bas sur le haut. Celui du bas sur le haut. Et vous faites ça sur tous les pitons, du haut comme du bas. Allez-y très doucement car le bracelet est assez lâche à ce moment précis et les élastiques peuvent s'enlever si vous ne faites pas attention, donc allez-y doucement. Celui-ci je m'y suis pris à plusieurs reprises pour le faire car je voulais aller trop vite, c'était très facile, trop facile, et en allant trop vite, eh ben, tout s'enlève. Donc prenez votre temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Donc là nous avons notre première ligne. Donc je vous la montre, hop, cette ligne là correspond à la première en bleu. Maintenant nous allons faire la deuxième. Toujours en bleu. Donc je mets un élastique bleu sur tout le large, la largeur, la longueur ou la largeur, je ne sais pas comment on dit, des 5 pitons du haut. Et puis je fais mes 8 sur le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1 en bleu, puisque toute ma ligne est bleue. Donc ce sera toujours cette même opération. Après, les couleurs changeront en fonction des 8 simplement. Le 2 et le 1. Nous ramenons la barre du haut sur le centre et nous passons ceux du bas sur le haut. En bas vers le haut, en bas vers le haut, en bas vers le haut, en bas vers le haut. Et ainsi de suite de l'autre côté. Donc là par contre il n'y a pas de sens, hein. Vous pouvez commencer par celui que vous voulez, du moment que tous ceux du bas seront montés vers le haut. Après c'est comme vous le sentez et comme vous vous sentez mieux à le faire. Si vous commencez par en haut, par en bas, par gauche, par droite, c'est pas grave, du moment qu'ils sont tous remontés vers le haut. Hop, donc là il nous en reste plus qu'un et maintenant nous allons passer à la troisième lignée qui est toute noire comme vous l'avez vu. Donc Mon élastique central en haut sera toujours bleu, peu importe les couleurs, puisque c'est la base de mon bracelet. Donc celle-là, elle reste bleue. Si vous faites un bracelet rose, ça sera rose. Ça ne change pas. Par contre, les 8 vont changer. Comme ma ligne est noire, je vais faire tous mes 8 en noir. Donc le 5e est noir. Hop. Le 4e est noir. Le 3e est noir. Le 2e est noir. Et mon 1er est noir. Ensuite, je ramène la barre du haut au centre. Et je tisse ceux d'en bas sur le haut. Donc là, ce sera des bleus que nous remettons sur des noirs. Donc là, ça vous paraît long, je vais faire ça sur pas mal de temps. Après, je vais mettre en accéléré et après, vous verrez que la fin, puisque l'opération se répétera x et x et x fois. Donc on pense bien à chaque fois à bien rebaisser nos élastiques quand il nous en reste plus qu'un pour pouvoir tisser plus facilement. Donc vous voyez, le bracelet va se tisser sur le dessous, c'est pour ça que je voulais vraiment un espace important entre chaque barre. Maintenant, nous allons passer au 4. Bon, là, je vais plier mon papier, ça va être beaucoup plus fastidieux. Donc là, on va se concentrer un petit peu. On va plus rigoler là. Donc là, j'ai un noir pour commencer. Voilà, sur ce piton-là. Mais de toute façon, on va passer le bleu en premier, puisque c'est la base de mon bracelet et qu'il y aura toujours ce bleu au centre. Donc, je mets mon élastique central en haut en bleu et ensuite, je vais faire mon 5e noir. Mon 4e, excusez-moi, est bleu. Mon 3e est noir. Alors moi, je pars de la 5 du chiffre 5 sur le 1, mais vous pouvez faire la même chose du 1 au 5. Hein, ça dépend de votre façon de lire. Moi, je ne sais pas, je lis à l'envers. Mais le principal est de suivre votre schéma. Donc mon 2e est blanc et mon 1er est noir. Ensuite, ma barre bleue, je la remets au centre. Ah oui, donc là, je fais un petit chigoui pour me rappeler que j'ai fait celui-ci. Donc, je fais ça, vous allez voir à chaque fois au même moment, ça me permet vraiment de me souvenir où j'en suis. Donc, une fois que j'ai fait mon zigouigoui, bref, je prends ma barre bleue que je remets au centre et je vais tisser. Donc, ceux du bas au-dessus pour chaque piton. J'espère que mes explications sont claires. J'ai passé du temps à réaliser ce tuto, à faire toutes les lettres exprès pour que vous compreniez plus facilement. Et j'espère vraiment avoir réussi à bien vous faire comprendre. On verra bien. Maintenant, nous allons passer à la ligne 5 qui commence par un noir. Donc, je vais encore mettre mon élastique bleu au centre en haut. Et ça pour toutes les lignes du bracelet. Hein. Donc, ça commence toujours comme ça. Voilà. Moi, il est bleu, donc le centre en bleu. Ensuite, j'ai un noir, 3 bleus et un noir. Donc un 8 noir sur le 5. Ensuite 4, 3, 2, ce sont des bleus. Et 1, c'est un noir. Je vérifie quand même, bleu, bleu et noir. Une fois que je suis sûre d'avoir tout bien placé, je positionne mon élastique bleu et je fais mon zigouigoui avant de tisser. Voilà, quand je place mon élastique bleu, ça veut dire que ma ligne est bien faite. Et maintenant, je peux tisser. Donc ça me permet vraiment de bien savoir. Je place mes élastiques, je descends mon élastique bleu et une fois que c'est fait, je fais mon marquage pour être sûr que ça veut dire que mes couleurs sont bonnes. Hop, après je peux tisser. Donc après, vous faites comme vous voulez, mais je trouvais... Voilà, c'est le repère que moi je me suis trouvé. Ensuite, nous allons passer à la ligne 6. Donc on appuie bien, toc 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 toc. Et là, vous voyez, ça commence à bien descendre, c'est cool. Donc là, la ligne 6, c'est une ligne de bleu, entièrement bleu. Donc on met notre barre centrale en haut en bleu pour pas changer. Et nous mettons nos 5 huit bleus. Et là j'accélère maintenant sur tout le long parce qu'on va procéder de la même façon tout le long. Donc je vais plus parler pour le moment, je vous laisse regarder et puis je vous reprends juste après. Donc là j'ai un bon morceau, j'ai fini sans filmer parce que c'était trop long. Là j'arrive à la fin, donc je tisse ma dernière ligne tout simplement qui était bleue. Donc là je la tisse et à la fin il me restera comme d'habitude un seul élastique sur chaque picot. Et c'est là que on va terminer le travail. Donc une fois que nous avons tout ça, on tire bien. Et là nous allons... Donc j'enlève ma feuille pour pas que ça me gêne. Nous allons prendre les picots d'en bas que nous allons remonter sur ceux d'en haut. Donc ceux d'en face, hein, c'est vraiment un picot face à l'autre. Hein. Donc celui du bas vers le haut. Et allez-y très doucement ici parce que généralement c'est là que tout se casse la figure. Vous allez voir ici, hop, ça a lâché. Donc j'ai pu le récupérer aussitôt, mais ça m'est arrivé que le travail était tellement bien tendu que bah, c'est parti très loin et que j'ai du tout recommencer. Donc prenez vraiment votre temps ici. Là on arrive, on n'a plus que 5, donc 2 élastiques sur les 5 picots du haut. Et là nous allons tous les mettre sur notre crochet. Donc pareil là, faites très attention, appuyez bien avec votre pouce sur les autres qui ne sont pas enlevés pour pas qu'ils se fassent la malle, parce que là c'est vraiment très complexe. En plus mes élastiques moi glissent énormément, je sais pas, ils doivent être huilés mais ils glissent beaucoup. Donc c'est bien, mais voilà. Donc là on obtient le E, le N, le Z et le O. Donc quand on arrive à ce résultat, on est plutôt content et ouais, c'est plutôt sympa. Donc maintenant, je ne vais plus parler, je vais prendre un autre élastique bleu que je vais tout simplement passer dans tous mes élastiques. Donc je tire bien, je tourne mon crochet, hop, comme du crochet hein, tout simplement. Mais si vous n'en avez jamais fait, donc vous tirez bien sur vos élastiques vers le bas du crochet et hop, vous tournez le crochet et vous le passez. Normalement, ça passe tout seul. Une fois que c'est fait, vous repassez l'autre extrémité dans le crochet. Et nous obtenons ceci. Donc là, nous allons mettre ben, notre petit crochet de fixation. Donc moi, là, pour le coup, c'est un S. Ça dépend un peu, j'ai jamais les mêmes. Hop, je passe mon doigt. J'enlève du crochet. J'étire bien. Et hop, je passe ma fixation. Donc là, c'est pas du tout joli parce qu'on a un gros élastique. C'est pas beau. Donc je vais faire exactement comme tout à l'heure. Donc je vais passer mon crochet dans mes élastiques du haut. Donc là où passe l'élastique, hein, je vais exactement repasser le crochet dans les mêmes endroits. Parce que je trouve ça plus joli. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais je pense que ça va être plus joli et plus solide dans le temps. Hop, je passe mon crochet à l'intérieur. Je prends un élastique. De la même façon, je le fais coulisser à l'intérieur de tous mes élastiques en allant très doucement. Et je repasse l'autre extrémité dans mon crochet. Je mets mon doigt, j'enlève le crochet, j'étire bien, donc je prends le bon sens, ça serait dommage de le mettre à l'envers. Voilà, donc Enzo c'est comme ça, hop, et je viens accrocher ma fixation ici. Donc après il reste cet élastique que nous allons tout simplement casser, donc coupez-le parce que moi là j'avais vraiment peur que ça me pète dans les doigts. Et au final non, ça a été. Et voilà, nous avons un superbe élastique, donc vous pouvez faire cette opération dans de multitudes de couleurs. Vous pouvez même essayer de faire des petits cœurs, des têtes de mort, choses comme ça, enfin laissez jouer votre imagination, je pense que c'est possible d'avoir des trucs assez sympathiques. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je pense de mon côté en refaire d'autres dans différentes coloris avec différents prénoms parce que je trouve ça plutôt sympathique et très sympa à travailler. Donc voilà, bah je vous dis à très vite dans le prochain tuto. Bye!